Mon ex reste en contact, mais ne veut pas se remettre en couple. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi votre ex reste en contact avec vous. Pourquoi il le reste, même si clairement il ne veut pas se remettre en couple. C'est évident, vous en avez parlé, vous le savez. Voilà. Pourquoi fait-il ça? Vous avez besoin de comprendre. C'est normal. C'est normal de vous poser la question. Sachez que dans tous les cas, si vous avez encore des sentiments et que malgré ça votre ex reste en contact, c'est beaucoup plus simple pour lui. Attention à ça. C'est beaucoup plus simple pour lui si c'est lui, lui qui s'est désengagé, lui qui est parti et il maintient un lien. Donc en fait, il se met dans une position très simple. Il a choisi de se désengager. Il a choisi de quitter le navire. Il est parti, mais pour pas affronter la nouveauté comme ça, la peur de l'inconnu, etc., il vous maintient un petit peu en lien. Il maintient le contact. Attention, il peut faire ça de manière bienveillante en pensant que c'est pour votre bien. Et il y a le contact où il vous maintient pour se rassurer lui. Parce que le lien vous empêche d'avancer dans tous les cas. Mais ça le rassure. Et donc, il peut faire ça toujours de manière inconsciente. Hein. On n'est pas là pour lui jeter la pierre et dire oh, bah, il est méchant, il fait ça exprès. On ne sait pas. Mais que ça soit conscient ou inconscient, dans tous les cas, vous, ça vous empêche d'avancer. Et lui, ça le rassure. Il est parti et il maintient le lien. Comme ça, il a sa nouvelle vie à affronter. Mais il a encore cette personne qu'il connaît bien, sa zone de confort. Il sait qu'il est toujours là. Et il la maintient un petit peu. En la maintenant en contact, il la maintient en lien avec lui et donc il la garde sous le coude. Désolée pour l'expression, désolée si ça semble un peu violent, mais oui, il vous tient sous le coude. Et donc, comment avancer comme ça? Vous avez besoin d'avoir une coupure nette. Comment comprendre ce genre de situation? Si vous êtes là, si vous écoutez cette vidéo, c'est que ça crée de la confusion dans un esprit. Vous avez été quitté, vous n'êtes plus en couple, mais la personne ne rompt pas lien de lui-même. Donc, même si c'est dans une attention bienveillante parce qu'il ne veut pas vous perdre complètement, n'oubliez pas qu'il n'a pas hésité à partir. Il n'a pas hésité à vous perdre en quittant la relation. C'était un risque à prendre. Donc maintenant, c'est à vous et vous seul de penser à votre bien-être. Et donc, j'en viens au conseil principal pour vous, pour que votre cerveau a besoin de comprendre. Donc, pour votre cerveau, il a besoin d'une coupure net pour comprendre. Il a besoin d'un éloignement. Si vous espérez devenir amis, c'est absolument impossible si vous avez encore des sentiments amoureux. Il faut d'abord s'éloigner pour rompre réellement. Vraiment, j'insiste beaucoup sur le sujet parce que il n'y a pas moyen de contrôler ce que vous ressentez. Vous ne pouvez pas dire je vais rester en lien avec lui. Je vais entretenir ça en espérant que ça se transforme en amitié et pas trop souffrir. Vous ne faites qu'entretenir la souffrance. Et si votre ex choisit de garder le contact, peu importe de manière consciente ou inconsciente, que ce soit bienveillant ou non, peu importe, là vous devez penser à vous. Et dans l'immédiat, si ce n'est pas ce que vous souhaitez, si vous souhaitez avancer, accepter cette rupture, si vous souhaitez simplement peut-être plus tard devenir ami, là tout de suite, si vous avez des sentiments amoureux qui ne veulent plus se mettre dans une relation amoureuse, vous devez créer un éloignement, une coupure, couper le contact pour que votre cerveau comprenne comment vous pouvez faire entendre à votre cerveau qu'il n'y a plus de relation, mais qu'il y a toujours un contact. Il y a besoin d'une coupure nette. L'amitié, si elle a lieu d'être, se refera après. Mais on ne transfère pas des sentiments amoureux dans une relation, en fait, tout simplement. Soit les deux personnes sont amies, mais il n'y a pas un qui est ami, un qui aime. Ça ne fonctionne pas. Quand vous faites ça, vous êtes simplement dans l'attente et l'espoir qu'il se passe quelque chose. Et en maintenant ce contact, votre ex laisse cet espoir, même si lui est persuadé qu'il ne reviendra pas en couple. Donc c'est à vous maintenant. C'est à vous de réagir. C'est à vous de vous poser cette question. Vous êtes une option? Vous voulez accepter qu'on vous ne prenne qu'en ami quand vous voulez des sentiments amoureux? Vous êtes capable de vous contenter de miettes? Alors que ce n'est pas ça que vous souhaitez?
Je sais que ça fait mal, je sais qu'il va falloir couper le contact, mais là, c'est pour vous, c'est votre bien-être. Il ne veut pas se remettre en couple, mais garde un contact. Il veut vous garder sous le coude. Et si vous vouliez vraiment une relation avec lui, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de couper le contact. Parce que le message que vous envoyez en restant en contact avec lui, en acceptant qu'il ne vous prenne que comme il le décide, bah finalement, c'est lui donner tout le pouvoir. Et vous, vous transmettez comme message, j'accepte de ne prendre que les miettes de ce que tu veux bien me donner. En tout cas, j'accepte cette relation. En te répondant, en étant en accord avec tout ça, j'accepte ce fonctionnement. Mais au fond de vous, si ce n'est pas ce que vous acceptez, vous devez mettre un terme. Vous ne pouvez pas attendre de l'autre qu'il prenne des décisions de votre bonheur à votre place. Il ne le fera pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas son rôle. C'est vous qui devez vous prendre en main. C'est vous maintenant qui devez dire, moi, je ne suis pas contentée par cette relation. Ça ne me convient pas. Et je sais ce que j'ai à faire. Je sais que je dois couper les liens. Au mieux, il aura un déclic. Et il comprendra que là, il est vraiment en train de me perdre parce que c'est trop facile de m'avoir comme il l'entend, mais de pas s'engager dans une relation. Au pire, mais je vous assure que c'est le mieux des... c'est la situation où vous vous retrouverez aussi. Eh ben, vous coupez le contact. Vous laissez votre cerveau comprendre la situation et vous pouvez enfin avancer. Parce que ça risque de vous paralyser. De paralyser votre avancement. Si ce contact se maintient, ça peut perdurer longtemps et si vous n'arrivez pas à sortir de ses sentiments, lui peut rester comme ça, à créer cette relation purement amicale ou juste vous garder sous le coude pendant très longtemps. Et vous, ben, vous entretenez vos sentiments amoureux. Avec l'espoir. Donc prenez un petit temps d'éloignement, prenez du recul, reconstruisez-vous. Comme je vous le dis, peu importe votre objectif, que ça soit de récupérer votre ex, que ça soit d'avancer tout simplement, dans les deux cas, la solution est la même. Vous avez besoin d'un temps pour couper le contact, pour comprendre ce qui est en train d'arriver, pour vous reconstruire et ensuite, vous aurez beaucoup plus d'énergie pour aller droit vers votre objectif. Que ce soit de reconquérir votre ex, que ça soit d'avancer, dans tous les cas, là, vous n'êtes plus un pied dans une situation, un pied dans l'autre, mais en tout cas, bah, vous êtes nulle part. Vous êtes nulle part et là, vous laissez à l'autre complètement le droit de décider de la relation, de décider de ce qu'il y a. Et vous êtes de toute façon, vous restez complètement, comment dire, vous êtes sous son emprise, vous lui laissez vraiment tout pouvoir, j'insiste dessus. Il est grand temps que vous compreniez que ce que vous laissez faire, ce que vous tolérez, les autres vont se le permettre. C'est à vous d'imposer vos limites. Je ne veux pas être ton ami. Je voulais une relation. Donc, ce simple contact ne me suffit pas. Ça ne me convient pas. Mais comment transmettre ce message si vous acceptez qu'il reste en contact et seulement avec ce qu'il vous donne? Il n'y a que vous qui pouvez permettre cette situation. Donc, à bon entendeur, bien sûr. Je sais que ça demande de la force, je sais que ça demande de l'énergie de rompre un lien connu, je sais que ça fait peur d'essayer d'avancer, mais c'est pour votre bien-être. Ne restez pas paralysé dans une situation, dans une problématique. Ça peut gangréner et durer très longtemps dans cette situation. L'autre n'aura pas autant de bienveillance à tout faire pour que vous soyez au mieux. Il n'y a que vous qui pouvez prendre votre destin en main. Il n'y a que vous qui pouvez prendre votre bonheur en main. Et donc vous mettre en action, même si ce sont des actions qui ne semblent pas faciles, je vous assure que ce sera les seules actions qui en tout cas vous permettront de vous créer le meilleur avenir possible et d'aller mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider à comprendre pourquoi votre ex peut rester en contact avec vous. Le fait que ça le rassure, le fait que c'est simple, qu'il y ait un côté bienveillant ou non à faire ça. Le fait que lui, ça le maintienne dans sa petite zone de confort qu'il a toujours connue. Et le fait que vous, le problème, c'est que ça vous empêche d'avancer. La nouveauté fait toujours peur. L'humain fait ce qu'il peut pour conserver ce qu'il connaît. Comme je vous le dis, s'il veut maintenir un contact parce qu'il tient trop à vous, eh bien qu'il s'engage. S'il ne veut que vous donner des miettes parce que ça le rassure, il y a un moment, il faut arrêter de penser à lui. C'est vous d'abord. On s'en fiche de le rassurer. Vous allez vous rassurer, vous-même déjà. Et vous allez vous rassurer en vous disant qu'il y a le meilleur avenir qui vous attend si vous prenez en main et si vous montrez clairement ce que vous acceptez ou vous n'acceptez plus. Si vous avez pu un petit peu avancer avec cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à mettre des commentaires. Abonnez-vous pour d'autres conseils sur le sujet.
Vous savez que de mon côté, je ne vous lâche pas, je reste toujours disponible pour affronter vos problématiques, votre situation en coaching ou même par le biais de formation. Et dans tous les cas, encore une fois, on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.